s'agit de parole. Et vous qui êtes bonimenteur et banquiste, vous savez ce que c'est que la parole. Sans parole, il n'y a pas... Hein? Il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de levée. Hein? Hein? Et vous êtes sacrément bon, nettement supérieur à nos évêques. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sans écoute, sans le regard des autres, hein, vous perdez le boulot, vous perdez les levées. Hein? Et que dans la rencontre, la parole et le partage, l'alliance peut être scellée et beaucoup de choses peuvent être scellées. Pour moi, c'est complètement nouveau. Je ne connais pas ce monde-là. Donc, je débarque. Là, je viens voir. Je vois que Gérard a vraiment fait du bon travail, en fait, de contact. Il est très connu, très aimé des forains. Je pense que croire en Dieu et la foi, c'est se poser des questions pour poser d'autres questions. On va de questionnement en questionnement et on va de commencement en commencement. Et la pire des choses qui puisse arriver à un homme ou une femme sur cette terre, c'est dire « maintenant je sais, je sais, j'ai plus de questions, c'est clair et net ». Non, je vais de questionnement en questionnement. Donc moi j'arrive tout humble, vraiment je vais regarder parce que je ne connais rien. Et l'idée c'est de pouvoir être apprivoisé. Il y a le temps de l'apprivoisement qui va se faire. Et ben, on va faire ça. Et puis voilà, donc je suis ravi d'être là et ravi de pouvoir découvrir justement la foire du trône sous un jour que je ne connaissais pas. Confiance aux autres, c'est de dire ce sont les autres qui te forment et qui te constituent ce que tu es. C'est pas toi avec ta volonté, etc. Je suis rien sans les autres. C'est les autres. Et quand ici, j'ai eu la chance de bosser avec un copain qui était mission étrangère, il a fait le monde entier, etc. Un type merveilleux, ce qu'on appelle des missionnaires. Il disait l'évangélisation, c'est accepter que les autres t'évangélisent. Maintenant jubilé, Dieu vous donne la vie par l'amour et cette académie. Dieu de tout l'univers qui soit chanté en tout lieu, la puissance de Dieu. Dans une même allégresse que le silence se fera, chante Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour croire, il ne s'agit pas d'avoir la tête dans les nuages, il s'agit d'avoir les pieds sur la terre. C'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr, que nous vivons cette célébration avec notre ami Gégé, Gérard. Je suis le père Édouard Decreval, donc c'est moi qui ai l'honneur de succéder à Gérard comme aumônier des forains du diocèse de Paris. Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche, mais évidemment, et succéder à quelqu'un comme ça, je pense que ça va être difficile. Et j'ai vraiment découvert la chaîne des forains, dans ces moments de fête qui sortent de l'ordinaire, qu'il y a, moi je dis qu'il y a cette saveur d'éternité dans certains moments. Et le temps ne compte plus, c'est absolument fabuleux, on se dit, ah, le ciel ou le paradis, un petit coin de paradis. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier bien la famille de Gérard, Jacques et Nicole, ses frères et sœurs qui sont là. Merci d'être là. Gérard avait non seulement la famille et les forains, mais Gérard était surtout... Gérard n'était pas un prêtre. Gérard était le disciple. Gérard était un vrai disciple. Il a tout abandonné pour ouvrir le dialogue avec tout le monde, réconcilier, apaiser et donner l'espoir dans les difficultés. Gérard me manque beaucoup.
Je crois que ce que je me donne comme but aujourd'hui, c'est que ceux que j'aime et ceux que je rencontre, que je connais ou ne connais pas, eh ben, que leur vie devienne de plus en plus belle et plus sereine. Et pacifiante pour eux et pour ceux qui les entourent. Voilà. J'aimerais aussi, évidemment, saluer la reine 2022, Romy Bancraïennes. On nous appelle les forains, avec nos manèges, on s'amuse bien, nous avons plein d'attractions qui font rire petits et grands, les gens nous voient toujours. Je pense que dans le monde forain, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'il y a une fratrie dans les familles incroyable, quoi. Il y a une solidarité, fou. La famille, c'est ce qui les fait vivre, quoi. Et aujourd'hui, nous prions particulièrement pour notre frère Gérard Huibeau. Au nom de tous les forains, je voudrais profiter de cette messe annuelle de bénédiction pour rendre hommage à Gérard, notre cher aumônier, qui nous a accompagnés pendant 20 ans. 20 ans de bonheur. Ce que j'ai appris aussi dans ce monde de la fête, c'est qu'il y avait une volonté d'accueillir les gens qui étaient un peu cassés dans la société et autres. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient au service d'une famille ou autre, qui étaient presque considérées, après quelques années, comme faisant partie de la famille. Et c'était des gens cassés sur le plan peut-être santé ou peut-être je ne sais pas quoi d'autre, mais les cassés de la vie, quoi. Et il y a une... Il y a vraiment une solidarité incroyable, vouloir permettre à des gens qui sont dans le caniveau de se relever et de les mettre en route. Il était discret, bienveillant, très patient et doté d'une grande écoute, ce qui est rare maintenant. Il a réussi à s'adapter parfaitement au monde des forêts qui n'est pas facile. Il ne portait jamais de jugement sur les personnes. Seul comptait pour lui les relations humaines. Sans les autres, et c'est pour ça que la parole est d'or, et qu'on a besoin de la parole, car c'est la parole qui nous permet de la rencontre, et c'est la parole qui nous permet d'avancer et de progresser. Sans la parole des autres, et sans les autres, notre vie n'a pas de raison d'être. Nous, les forains du trône, et d'ailleurs, nous te remercions, Gérard, pour ton dévouement et ton amitié pendant toutes ces années. Tu as percé nos cœurs à jamais et tu resteras notre ami pour toujours. On est très fiers de vous avoir, mais je voulais ajouter ceci. Le texte n'est pas de moi, mais de Antonella qui l'a écrit. Donnez-moi. C'est pour toi, madame. Édouard, tu as entendu tout ce qui a été dit sur Gérard. Je pense que tu vas pouvoir prendre la relève. En tout cas, on sera là à tes côtés pour... Il y a Antonella, il y a Eliane, il y en a beaucoup d'autres. Je compte sur les forains pour le mater un peu. Vous savez de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, au nom, bien sûr, de l'aumônerie, de la famille de Gérard qui est là présente, et puis au nom de tous les forains, je te remets son étole pour que tu sois vraiment une juste relève pour Paris. Merci.
Maintenant, c'est un vrai. Pas encore, mais ça va venir. Voilà. J'ai pris le petit bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Chez moi, le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes maux, mes deuils, mes peines et mes chagrins, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Sur les foires où j'ai participé, c'est sûr qu'il y a, il y a toujours l'accueil. L'accueil et le boniment qui est là et qui fait quand même qui permet à la foire justement d'avoir une véritable vie et une respiration fort sympathique pour tout le monde. Mon bonheur a fleuri, il a fait ses bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Aujourd'hui on parle beaucoup de l'écologie, etc. Mais je pense que la fête foraine c'est pareil. Il faut que les fêtes foraines soient vraiment au cœur de notre vie quotidienne. Voilà. C'est la fête au cœur du village. C'est la fête pour les grands et les petits. Pour tous les enfants sages. Se retrouvent en famille ou en famille. C'est la fête au cœur du village. C'est la fête pour les grands et les petits. Gérard, il sera toujours dans notre cœur. Ah oui, il est toujours avec nous.